Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Zeus, le maître de l'Olympe, pour une nouvelle aventure qui va débuter dans cet épisode, à savoir l'histoire d'Athènes. Donc on va diriger donc à Athènes, la capitale de la Grèce actuelle, qui a une histoire mythique et historique tout simplement assez développée, donc on va voir ce que ça nous donne. Donc diriger Athènes de sa naissance à son apogée et à travers des périodes troublées. Ce scénario passionnant est très long. Il se compose de 8 épisodes. Donc on en a fait 6 avec Persée et 8 avec Zeus Europe. Donc on est reparti pour 8 scénarios. C'est parti. Donc on va commencer. La contrée alentour est stérile et désolée. Mais les montagnes de Grèce sont partout pareilles. Il y a pire comme endroit où fonder une nouvelle cité. Et votre ami Thésée va vous aider. Il parcourt l'Attique et visite d'autres localités de la région pour les convaincre de se placer sous votre protection. Même si la cité d'Athènes, par elle-même, manque des ressources nécessaires pour prospérer, elle pourra peut-être devenir une cité puissante lorsqu'elle se sera alliée avec ses voisines. Un problème se pose toutefois lorsqu'il s'agit d'annexer des terres en Attique. Minos, roi de Knossos et maître du Minotaure, considère cette contrée comme sienne et ne verra pas d'un bon œil quelqu'un d'autre essayer d'y bâtir une nouvelle cité. Très bien, donc on va commencer. Donc 3 objectifs: 12 échevaux d'Aisne pour la colonie, 12 corbeilles de poissons pour la colonie, 500 personnes ont des propriétés au mieux, donc c'est plutôt acceptable. Donc c'est parti. Donc là je mets tout de suite en pause, on va regarder un peu le terrain qu'on a. Donc là on a une belle falaise, d'accord, une belle montagne. Là-bas on a des terres fertiles, ok. Ici, qu'est-ce qu'on a? Encore des terres fertiles en hauteur. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut produire en nature? Ah, que des moutons, ok. Et je suppose que le poisson, on va devoir l'acheter, c'est ça? Donc pour le moment, on ne sait pas qui vend quoi. Donc ce qu'on va faire déjà, on va faire au plus simple. Donc on a 15 000, ça, on a de la marge. Mais il faudra faire attention quand même comment on dépense notre argent. Et je joue en difficulté héros, comme toujours. Donc vous l'avez sûrement vu. Ce que je vais faire, je vais construire un quartier là. On va faire comme ça. Alors je me suis un peu planté, mais c'est pas grave. On va recadrer tout ça. On va recadrer tout ça. Et on va faire notre fameux quartier de 20 maisons de base. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est pareil. C'est parfait. Donc là, je vais tout de suite mettre une maintenance pour commencer. Peut-on faire des bâtiments ici? Ouais, il y a ça. Et il y a des belvédères là-bas. Vous savez comment on peut en placer? Thermopyles c'est pas nous. Ça, c'est une excellente nouvelle. Ah. Alors, attends. Est-ce qu'on va aller 160? Ouais. Ah, Knossos, c'est bas. Dégage. Donc là, il faudrait essayer de pas trop traîner. Donc, ce que je vais faire dans l'immédiat. Pardon. Bon, j'ai bien fait de construire ce quartier là. J'avais un doute que le Minotaure allait popper, mais pas maintenant, je ne l'attendais pas. Donc ok, Minos là on l'a déchaîné, la Knossos, on s'en occupera dès que possible. Je vais bâtir tout de suite un grenier. Je vais bâtir ça. Alors, je vois un peu le chômage qu'on a, 92%. Je vais débuter avec... Je pense que 6 laiteries pour débuter avec les chefs, ça semble plutôt pas mal. Parfait. Plus on les mettra près de la falaise, mieux ce sera. Par chance, il n'y a pas de loup dans le coin. Donc on va attendre. Ah ouais, comme on recrute déjà. Parfait. Je vais immédiatement rajouter aussi une maintenance ici. Ok, donc
Dès que possible, je bâtirai un avant-poste avec le thermopile pour le poisson à la laine, comme ça on aura tout. Ah ouais, si j'oublie la maintenance ici, ça va être compliqué. À moins que je... Est-ce que je ferais pas déjà 5 maisons de plus? Non. Ok. On va faire comme ça. Puis comme ça, je pense que ça sera mieux, ça sera plus sage en effet. Donc pour soi un avant-poste thermopile. Donc on a déjà 200 personnes environ. On peut pas avoir d'impôt, non. On voit un peu nos ennemis mythologiques en attendant. Donc Poséidon nous déteste. Artemis nous déteste. Arès nous déteste. Hadès nous déteste. Ça commence. C'est plutôt pas mal. Déméter nous adore. Apollon aussi. Hermès et Athéna. Athéna c'est logique parce qu'Athènes tout simplement. Je vais commencer à construire une épicière. Je vais refuser le poisson pour le moment tout simplement parce qu'on en a besoin pour l'objectif. Ah, on a du chômage, ça c'est pas mal, donc on va leur mettre quoi? Je vais mettre un puits ici, un puits là, et qu'est-ce qu'on peut avoir? Des philosophes. Ah ouais, si j'ai oublié ça, j'ai oublié de marcher, faire verrouiller ceci. Toi tu m'emmerdes. Knossos, Eminos. Ah, ça c'est cool. Ça va nous aider un petit peu en attendant, pour combler nos dépenses. Qu'est-ce qui nous manquerait? Ah bah oui, un collège. Je vais tout de suite bâtir un entrepôt. Bon, on va aider Thermopyles quand on n'est pas des monstres non plus. On va tout accepter sauf la laine. Enfin, tout refuser sauf la laine, pardon. Je conçois tout de suite le poste de commerce pour les Thermopyles. Et je vais tout acheter. Voilà. Pas faire mieux comme départ, toi tu m'ennuies. À cause de lui on perd beaucoup d'argent d'entrée. Ok, donc il y a déjà une petite partie des marchandises qui est arrivée. Et comme ça je vais attendre, je vais demander à Thermopyles de la laine, tiens. Deux fois ça doit être suffisant. Marathon, je vais lui demander des drames comme ça, ce sera pas mal. Ah ouais, 49% de chômage, vous êtes pas chier. Ok, donc je peux rien faire d'autre. 8 échevaux de laine, 8800 drames, c'est pas mal. Je réserve tout de suite les échevaux de laine. Alors, le poisson, ça y est, donc je vais plus en acheter pour l'instant. Vu que la production de nourriture doit être suffisante. Parfait, donc j'ai déjà réservé les deux ressources. Je vais tout de suite sauvegarder, donc Athènes. On est pas mal. Je vais peut-être augmenter un petit peu la production, le nombre de lettrés qu'on a, tiens. Ça me semble plutôt judicieux. Et j'ai oublié l'hôpital, c'est ça? Ouais, j'ai oublié l'hôpital, ça c'est pas malin. Hein. Et je vais peut-être mettre un poste de garde pour éviter des troubles. Et je vais rajouter des chèvres en masse. Bon, là, on peut, je pense qu'on peut terminer le scénario rapidement. On va mettre un marchand de laine. Et alors, les propriétés, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, je vais tout de suite enregistrer. En dépit du roi Minos, Athènes devient une cité puissante. Déjà, plusieurs autres localités en Attique ou dans ces parages se déclarent vos amis ou se sont placées sous votre protection. Mais la croissance d'Athènes reste entravée par le joug cruel de Minos. Ok, donc on a réussi à construire la cité d'Athènes, donc ça a été plutôt facile. Juste avoir 500 personnes dans des propriétés, quelques marchandises à place en réserve. Rien de bien compliqué. Donc on va voir ce qu'il nous attend pour la suite. Donc je pense qu'on va affronter Minos pour essayer de se débarrasser de lui. Et on verra ce que ça donne. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu pour cette nouvelle aventure avec Athènes. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas.
Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire pour suivre ce que je fais sur la chaîne. Et si vous avez l'envie de soutenir la chaîne financièrement ou moralement, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Je vous dis à la prochaine, les amis, c'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.